Connu pour son talent sur les terrains en Afrique comme en Europe, celui qui a fait et continue de faire le bonheur des supporters des Aigles du Mali et des Maliens tout court, Cédric Kanté n'a jamais cessé d'éprouver son amour pour la mère patrie. En 2008, avec des amis alsaciens, ils mettent en place Univel Espoir, un centre qui comporte une école, des terrains de sport, afin de rendre heureux les enfants du village de Sala, situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale malienne, Bamako. 16 ans après la création de ce centre, Cédric, l'enfant de Dravela, a rendu visite au personnel mais aussi aux élèves. Au départ, il devait le faire dans une autre région. Malheureusement, M. Samake est décédé. D'ailleurs, ce centre lui est dédié. Et je leur ai proposé d'installer ce centre, cette école, sur mon terrain que je venais d'acquérir ici. Et la raison, elle est simple, c'est que j'avais envie de rendre un petit peu au Mali tout ce que le pays m'avait apporté. Donc j'avais acheté ce terrain en prévision de quelque chose, c'était rien de précis. Quand il y a eu l'opportunité de créer le centre sur mon terrain, je n'ai pas hésité et j'ai mis à disposition l'entièreté de la surface de mon terrain pour ce projet. Centre éducation Univers des sports de Sala ici au Mali. Les membres de l'association Univers des sports. Entretien avec le personnel, un échange chaleureux avec les élèves et un tour des installations du centre Univel Espoir ont été le menu de cette visite. La directrice du centre s'est dit agréablement surprise. C'est une joie totale pour nous ici. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de la visite de la part des membres de l'association. On remercie au moins Cédric Kanté et Univel Espoir. Ils ont pensé de nous effectuer une visite aujourd'hui ici. Bien que ça fait longtemps, on est ensemble, mais nous espérons que ça change et nous espérons que ça apporte beaucoup de changements au niveau du centre. Après plusieurs années d'existence, le centre Univel Espoir a plus que jamais besoin de l'appui de ses bonnes volontés. L'ancien international s'est dit conscient des défis. Il y a 1 million de choses à faire. Ça a pris du temps pour diverses raisons, mais il y a un gros développement qui est possible. On va se pencher là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des visites beaucoup plus régulières de ma part et un investissement un peu plus important humainement, un accompagnement. Bon, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble, pas de problème. Okay. Bon, allez, à tout à l'heure. Si pour la plupart des anciennes gloires du ballon rond, le regard est tourné vers le foot, Cédric Kanté préfère offrir plusieurs possibilités afin que l'enfant ait à choisir entre plusieurs domaines d'activité.